Alors, Cowboy Bebop, si tu ne connais pas, c'est un excellent animé produit par les studios Sunrise. Le projet a été dirigé par Shinichiro Watanabe. Et Watanabe, si tu ne connais pas, c'est un grand monsieur de l'animation japonaise. Il a notamment travaillé sur d'autres excellents animés comme Terrorian Resonance, Space Dandy ou encore Samurai Champloo. Et pour Cowboy Bebop, il est le directeur du projet. Mais ça raconte quoi, Cowboy Bebop ? L'anime nous raconte l'histoire de Spike et de Jet, deux chasseurs de primes, qui voyagent dans l'espace dans l'espoir d'amasser des butins. Il faut savoir que dans Cowboy Bebop, nous sommes en 2071 et qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire en 2021, il y a eu un grand accident qui s'est produit. En effet, l'humanité voulait voyager dans le temps et les scientifiques se sont penchés sur le problème en travaillant sur des portails. Le problème, c'est que ces portails sont instables et détruisent la Terre à petit feu, ce qui fait que l'humanité a dû soit partir vers l'espace à la recherche d'autres planètes, ou bien se réfugier sous Terre. Mais là, c'est plus de la survie qu'autre chose, puisque la Terre n'arrête pas de changer à cause des débris qui tombent dessus. Du coup, on comprend mieux pourquoi Spike et Jet sont à la poursuite de truands et de malfrats de l'espace, à bord du Bebop. D'ailleurs, en parlant du Bebop, on se rend compte que la culture américaine a une énorme place dans Cowboy Bebop. Le cowboy fait référence au métier que Spike exerce et Bebop a un style de jazz des années 60. Grosso modo, c'est un western dans l'espace, ou presque, puisque Watanabe a affirmé dans une interview que c'était un mélange de plusieurs styles différents qui ont fait que c'est devenu Cowboy Bebop. Plus tard dans leur aventure, Spike et Jet feront la rencontre d'autres personnages comme Faye Valentine, qui me fait penser bizarrement à Mia dans Pulp Fiction, d'Edward, une jeune fille prodige en hacking, et Hein, un petit corgi doté d'un cerveau humain. C'est au fur et à mesure de l'aventure qu'on en apprend plus sur les personnages et qu'on commence vraiment à s'attacher à eux. On dirait vraiment une bande de potes qui se connaissent depuis plusieurs années et pourtant ce n'est pas le cas, à part pour Jet et Spike. Ce qui rend vraiment l'anime sympa à regarder. On a un peu l'impression d'être le sixième membre du Bebop. Chacun des personnages possède une personnalité différente, mais ce qui va les rapprocher surtout, c'est le fait que, d'une certaine façon, leur passé va les rattraper au cours de leur aventure. Par exemple, pour Spike, ce sera une rivalité, pour Faye, c'est son ancienne vie qu'elle a eue sur Terre, et tout cela sera développé dans des arcs qui se centreront sur l'histoire de l'un ou de l'autre. Et pourquoi je te conseille de regarder Cowboy Bebop ? Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime est sorti entre 1997 et 1998, et il n'a pas vraiment vieilli. Et ça, c'est grâce au talent du collectif d'animateurs Hajime Yatate, qui travaillait chez Sunrise et qui a été dirigé par Shinichiro Watanabe. On y retrouve une mise en scène qui fait penser parfois aux films américains, et puis on retrouve aussi un gros travail qui a été fait sur l'animation, et dont le niveau est très constant à chaque sortie d'épisode. En plus de ça, on peut voir que l'équipe qui travaillait dessus a étudié certains arts martiaux ou ce genre de choses, puisqu'on retrouve pas mal de ces mouvements dans ceux de Spike par exemple. Donc déjà graphiquement pour l'époque ça en jette, et il faut savoir que tout n'était pas fait encore numériquement et que beaucoup d'animés étaient encore faits à la manière traditionnelle, c'est-à-dire avec le bon vieux papier que tu peux retrouver dans ton imprimante. Et oui, en plus d'avoir une animation qui est excellente, Cowboy Bebop est complètement unique en son genre. Comme je t'ai expliqué, Watanabe s'est inspiré de plusieurs chose qu'il a mélangé pour créer Cowboy Bebop. C'est pour ça qu'on retrouve des éléments de space opera, de western spaghetti, de jazz, de culture américaine, d'arts martiaux, de trucs futuristiques, et encore d'autres choses que j'ai certainement oubliées. Moi personnellement, le personnage de Spike m'a fait énormément penser à Ryo Saiba. Ils ont le même job à peu de choses près, et en plus de ça, ils partagent tous les deux un passé assez tumultueux. Enfin, je trouvais ça marrant de faire le rapprochement entre les deux, étant donné que leurs univers sont assez différents. En plus, Watanabe avouera dans une interview qu'il s'est inspiré grandement de Lupin pour créer Cowboy Bebop, mais il voulait aussi donner un côté cool, charismatique et sombre à Spike. Ce qui le rapproche encore une fois du personnage de Ryo Saiba. D'ailleurs, si t'as aimé City Hunter, je pense que tu vas aimer Cowboy Bebop. On y retrouve cet aspect sérieux d'un côté et bon enfant de l'autre.
ce qui permet aussi d'atténuer le côté trop mature de l'animé, mais aussi de rendre les personnages beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus réalistes. La conclusion de la série se fait dans un film, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Watanabe a pensé Cowboy Bebop comme devant être un film. Mais finalement, il s'est ravisé et s'est dit qu'il allait considérer chaque épisode comme étant un mini-film. C'est pour ça qu'on peut retrouver certains épisodes qui se sentent sur l'un ou l'autre des personnages de l'animé. Et d'ailleurs, même Hollywood s'intéresse à la licence. Ils veulent créer une série live-action de Cowboy Bebop. Pour moi, c'est l'un des rares animés qui possède tout pour pouvoir être adapté en série avec des vrais acteurs. Et puis, après tout, ça n'affecte pas l'œuvre originale qui est juste excellente. Donc, ça permet de voir sous un autre angle et sous les visions d'un autre réalisateur les aventures de Spike, Jet et de sa bande. Et toi, t'en penses quoi de Cowboy Bebop? Tu l'as vu? Tu as aimé, tu as pas aimé, dis-le-moi dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu et que t'as envie d'en voir d'autres, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était celle-ci, et moi je te dis à la prochaine.